pas mais nèg n'a pas linéaire bon gardez non mais Rothschild François Junior bon diable monsieur son vétéran lié dans métier kounya monsieur qui ça il va installer comme ça comme directeur général TNH mais monsieur là c'est job mais il a quoi matériel il a c'est job c'est ça le fait c'est caméraman lié ça dit tout et matériel mais la matériel là vous comprenez donc on pas connaît qui ça gère ensemble c'est matériel mettez monsieur là comme directeur général TNH mais voilà ça il l'a installé comme directeur général depuis le sali dans la télévision. Hein? Et ça qui doit là, Jovenel Moïse Vinil pas kawetel. Parce que c'est Martelit Metel. Ayon Bill. Tenez bien, oui. Jovenel Moïse Vinil pas kawetel, monsieur, parce que c'est Martelit Metel. Et c'est ça qui fait m'dou que, juste pas comprendre jusqu'à présent, pour enquête à mener soit assassinat Jovenel Moïse, et puis c'est comme quoi, Michel Martelly, monsieur épargné de tout danger. Juste pas comprendre Batisa. Parce que Jovenel, côté le cache en bas, non, c'est Martelly qui mène le vin là, non, bah, peuple là. C'est Martelly qui mène le vin là, sous moun. Comment pour Jovenel mourir, Martelly grain plein, maintenant, tellement il va aller. Ça va dire rien comme citoyen. Ou même Gabdi qui continue à dire, vive Martelly, bon président, ça va dire rien. Ou même Gabdi, justice pour Jovenel, ça va jamais dire rien. Ou pas, je me pose la question ça. Comment pour Michel Martelly qui dit que li pa payan yo pa kabarel? Pour Jovenel mourir assassiné dans conditions comme ça, monsieur parle en funérailles lui. Ah ouais. Bah il a dit grâce mélangé. On quitte ça. Eh bien, c'est toi ça qui c'est directeur général TNH. Hier soir, son jeune ami a t'a parlé sur monsieur, etc. Moi-même, des ordres ça monsieur fait ailleurs. Hein? Moi, pensais que monsieur pas supposé lever comme directeur général TNH encore depuis jeudi à même. Parce que monsieur prouve que le pagan qu'un respect pour l'institution la dirige, hein? Et le pagan qu'un respect pour des officiels qui n'ont espace et plusieurs moun plein de gestion monsieur dans tête télévision, hein? Et moi pensais faut gagner audit calmené rapide pour qu'on ait comment matériel télévision à utiliser. Et m'te dit ça hier, le wap retende, wap monter dans le temps pour attendre télévision ça, comment elle te kon fonctionner, moun qui était là dans justement. Et puis pour essayer là nous tomber, en vérité, ça a fait mal comme citoyen avisé, et malheureusement c'est là nous tomber. Le directeur général de la télévision nationale d'Haïti, en direct, oui en direct, monsieur qui a parlé là, pendant que tu es en visite dans Antillo, et puis il t'a parlé sous pays d'Haïti. Il n'est pas politicien, il est directeur général télévision nationale d'Haïti. Au lieu de parler de médias l'État, parler de comment presse la fonctionner en Haïti, mais de qui ça va parler? Gamal Augustin, directeur général de la RTNH, la Radio-Télévision Nationale de Haïti. Bonsoir Gamal Augustin. Bonsoir. Que pensez-vous de l'image de Haïti véhiculée dans les médias étrangers? Bon, je pense qu'ils sont en train de nous salir assez souvent. Et je pense que ce qu'ils disent assez souvent, c'est pas vrai. Et Haïti a beaucoup d'autres potentialités. Ouais. Haïti a l'avenir. Nous sommes en démocratie. De 1986 à nos jours, cette démocratie, ça a grandi. Et bien entendu, nous avons aussi des difficultés. Tout le monde a des difficultés parce que les cas de force majeure, on ne peut pas les contrôler. On a notamment parlé, et on en parle encore 9 ans après le séisme du 12 janvier 2010, de la reconstruction pas suffisamment bien menée. Où en est-on aujourd'hui dans les priorités? Le président actuel de la République, M. Jovenel Moïse, a lancé ce qu'on appelle caravane du changement, qui est en train de faire les constructions partout à travers le pays. Il faut aussi noter, durant le mandat du président Michel Martelly, durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Les gens sur ils les ont tentes été placés dans les différents habitats, dans les différentes maisons. Tournez la quotidienne. Hein? Les gens sur les tentes, ça a été gagné. Eh bien, pas qu'on est, François qui a parlé. Ici, le directeur général de la télévision nationale d'Haïti. Son monde ou son cas, son espèce. Mais ils ont mis tellement boule figue nous là, et puis qu'on y a aussi des besoins à faire, etc. Alors que valait cadre, valait jeune journaliste qui formait dans le pays, ça cadre potentiel qui gagnait, et puis c'est mon chèque. Qui c'est un jeune technicien bagage qui prend image et qui caméra dans mail qui bousque la vie qu'on y a Martelly Metel parmi tout journaliste de carrière qui est en télévision ah oui et puis il met tel comme directeur général et puis mais comment la cacailler sous monde à travers le monde attendez non côté 2010 de la reconstruction suffisamment bien menée où en est-on aujourd'hui quelles sont les priorités le président actuel de la République monsieur Jovenel Moïse a lancé ce qu'on appelle caravane du changement qui est en train de faire les constructions partout à travers le pays il faut aussi noter durant le mandat du président et puis sérieux durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Ils ont été placés dans des différents habitats, dans des différentes maisons payées par le gouvernement. Il y avait des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là.
Alors, après ces 30 millions de terres, ça prend du temps pour faire ces constructions. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Avec la caravane du changement, on a fait la ville des Cailles. On a presque bien fait. On a fait tout de l'accord, Tidjon. MDBS, dit Baptiste, tout de l'accord. Avec caravane du changement, on a fait la ville des Cailles et bien fait. Tout est le quotidien. Dans les différents habitats, dans les différentes maisons payées par le gouvernement, il y avait des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là. Alors, après ces tremblements de terre, ça. Après sept tremblements de terre. Nous sommes en train de... Est-ce qu'on t'a donné un directeur général de télévision en Haïti? Et puis, tu as parlé son chaîne étranger. Vous entendez ça? Est-ce qu'on entendait ça? Après sept tremblements de terre. Non, je ne comprends pas, monsieur. Vous n'avez pas l'homme, monsieur Gamayla, et vous pensez que c'est un bêtisme parcelle. Et pas moi. Soit mon chèque a changé bagaille, féminin, masculin, féminin. Moi-même, qui a changé bagaille, Jean-Baptiste est venu en tout. Jean-Baptiste tombe. M'ba maman, m'ba papa, vous comprenez ça, m'dou? Eh, la gueule encore, Tidjon, vous payez, attendez, clé, ça, mon chap dit. Là-dessus, avec la caravane du changement, on a fait la ville des Cailles. La ville des Cailles est presque bien faite. On a fait aussi quelques villes aux environs. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler, de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population ici. Mais mon chèque, il part en différence entre vue et vie. Tout le bagaille, pas mélangé. Ayo mélanger non mais non directeur qu'a parlé papa kounya watchil bon nexus de watchil kounya sorti tête watchil lorsque wat a installé nom za là comme directeur général police là bon dit police tac passe me là qui sorti tête ou watchil François Junior vient nèg non lié oui qui sorti tête ou lorsque wat tande directeur général wa sorti tête ou t'a installé comme DG sorti tête ou nexus tant coup point tu tant coup watchil ah mon cher bon bah mon dieu là où on te là où on te là où chill tout dans la quotidien nous payons attendez de travailler de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population haïtienne. Et si une telle catastrophe devait se reproduire, est-ce que Haïti dans ce changement s'y prépare? Oui, on s'y prépare. On a OPC, l'office de protection, et qui est là pour protéger les citoyens en cas de désastre et qui est là aussi pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même eu beaucoup de morts. C'était à Port-de-Paix, il n'y a eu seulement que 3 morts. Là. Non. Tout n'est ça encore. Monsieur confond OPC, travail OPC, avec section bagarre et protection civile. C'est deux bagarres différents. Il y a OPC et puis il y a PC, protection civile, qui est différent de protection des citoyens. Comme quoi, c'est comment, mon cher, Léon Edouville qui a dirigé ça? Eh bien, mon cher Mélanger, monsieur Mélanger bagarre, il y a direction protection civile et puis OPC qui c'est on l'autre bagaille. On voit qui ça paye à tomber. Rete. Ah mais. Rete. Parce que direction protection civile, il va gagner pour OPC, c'est deux bagailles différents. Eh ben pas connait, nous pas connait. Même à dire directeur TNH, on connait Gary Koni pas là. Je va connait ça yo. Vous comprenez? Ça dit, faut nous dire, gardons les gommes directeurs généraux, monsieur, son honte pour la presse haïtienne, son honte pour le pays, d'ailleurs, son catastrophe pour TNH. Bon exemple. Tendez ça. Côté t'y vois ça. Côté t'y vois ça. Journaliste TNH, oui. Gama, il a il pas arrêté dans TNH, parce que Gama, bon, il n'a pas besoin de monde qui bon. TNH, oui. Produit TNH. Kounia, bon, vous y attendez, directeur général, il a. Eh bien, monsieur, c'est une catastrophe. Nous, où est Nexa? Bon, gardons, et ça, il faut, hier, là, monsieur Alba, écoute, micro ça, parce que Nexa, il va arrêter là. Il va arrêter là. C'est une catastrophe. Tout le monde, quand il y a un peu de pays, attendez. Et Nexa, il pensait mal, m'a parlé, archivio là. Archivio là, m'a parlé, Nexa, mal, moi-même. Tout le monde, encore. Il est là pour protéger les citoyens en cas de désastre, et qui est là aussi pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier, où il y a quand même. Non, tout le monde, quand il y a un peu de pays, c'est OPC, besoin qu'on s'allie, dit, m'a pas connaît. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler et de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population. Et si une telle catastrophe devait se reproduire, est-ce que Haïti, dans ce changement, s'y prépare? On s'y prépare. On a OPC. OPC? L'Office de protection. Et qui est là pour protéger les citoyens en cas de désastre. En cas de désastre? Pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même eu beaucoup de morts. Avec une intensité beaucoup moins forte. C'était à Port-de-Paix. Il n'y a eu seulement que 3 morts, voilà. Il y a eu seulement que 3 morts. On a perdu quelques immeubles, mais nous sommes en train de travailler là-dessus en ce moment. Vous êtes en Guyane dans le cadre d'un projet de coopération entre la RTNH et ça va d'où? Bon, qui ça, en directeur général TNH, vient pour la loi dans le détail, ça, là, là. Ça, c'est le travail, peut-être directeur général, ministère de l'Intérieur, et mon qui dans direction environnement, etc. Mais ils ont dépassé les limites, ils n'ont pas qu'on limite, ils ont sans dimension, sans protocole, sans capacité, sans formation aucune. Et puis c'est eux-mêmes qui ont mis chef sous tête. Bon, comment pays comme ça qui a marché? Non, c'est là la corruption a commencé, oui. Comment pays comme ça qui a marché? Monsieur, nous avons des gouvernements pour vous, entendez?
Nous connaissons pas vle ouem déjà. Qui met les mains avec nous? L'éternel a secouru. Ça veut dire que comment pour un pays, pour le prendre qualité Zagribay, ça vous mettez là-dedans comme chef, et puis une pensée qui a marché. Comment on va le manger là? Bon, on y a, pour Franck Etienne a attendu de passer ça là. Franck, Franck pas dormir à ce là, non papa? Franck pas dormir. Franck, c'est premier ministre communication pays de gagner. Franck Etienne, il va dormir là, madame ni? Il va dormir. Parce que pour Franck Etienne, premier ministre communication pays a te gagner, pour l'attendre de nommer ça dans TNH. Oh, catastrophe, mon cher. Non, non, c'est une catastrophe. Elle a gueule, non, Tijon. L'objectif étant de partager des reportages, des images, des informations. Sur vos antennes, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la réalité de la diaspora haïtienne qui vit en Guyane? Effectivement, c'est la raison pour laquelle que j'ai été invité ici par votre directeur général, et j'en profite pour lui dire merci, parce que c'est grâce à lui qui a entamé ses négociations avec moi. Il était venu en Haïti et il m'en a parlé. Et que dites-vous de cette diaspora sur vos antennes? On en parle assez souvent et on communique avec eux. Et c'est la raison pour laquelle on est venu signer des accords, on prépare des accords avec vous, bien entendu. Vous l'avez bien passé là. On a près de 40 000 haïtiens sur votre territoire. Donc on doit les servir, on doit accompagner cette diaspora. Bon, bien que j'adore pas le mot diaspora, je préfère dire les haïtiens vivant à l'étranger. La RTNH est un média d'État et c'est indiqué sans ambiguïté sur votre site internet. C'est un organe de diffusion de la pensée établie par l'État. Est-ce qu'il y a média d'État et de service public. Est-ce qu'il y a tout de même de la place pour la critique, l'opposition sur vos antennes? De quelle façon Ils participent à nos émissions de téléjournaux. Ils participent aussi à des différentes émissions qu'on organise pour eux. Tenez ça en quotidien. Qu'on y a, bon, moi, j'ai une question. Pour y avoir été Pradel Henriques, qui était directeur général à l'époque, dès qu'il était le ministre, quand même, il a mis des grades de pivot. Mais pour y avoir été Pradel Henriques, BS était là, il a shooté des BS, dernier Sylvain, animateur, en pile, mon remède. Pour yon wete BS, et puis son madichon comme ça a envie de mettre dans TNH, et pour dire nèg ça aurait même pays, il y a travail pour Haïti, etc. Yon quoi dans le changement? Tiens. Quittez le marché, Tijon, pour des émissions, c'est pas un problème, non? Quittez le roulet. Place pour la critique, l'opposition sur vos antennes. Effectivement. De quelle façon? Ils participent à nos émissions de. À nos émissions. Ils participent aussi à des différentes émissions qu'on organise pour eux. Hein? Et comment je peux dire, l'opposition haïtienne actuellement. Hein? Être pour parler avec le gouvernement. Parce qu'on vit tous en Haïti, on doit pouvoir vivre ensemble. On doit pouvoir négocier, on doit pouvoir se parler pour le mieux-être du pays. Le mieux-être du pays. Jovenel Moïse, comment est-ce que la RTNH a traité, à gérer cette crise? On a accompagné la population. Parce qu'avant tout, nous sommes des détenteurs d'archives. On doit faire ces images pour l'avenir. On a accompagné la population. On a aussi accompagné le gouvernement. Le gouvernement avait beaucoup de choses à dire. Il y a eu des conférences de presse pour expliquer les décisions qui ont été prises par le président. Le président a retourné sur certaines de ses décisions. On a quand même accompagné la population durant le mois de novembre, durant tous ces événements. Depuis 1986 aussi, on a eu beaucoup de problèmes. La TNH agit actuellement de 40 ans. Oui. Et c'est 40 ans de mœurs de cette population. C'est 40 ans de défauts, c'est 40 ans d'habitude, c'est 40 ans de culture. On le fait. Merci beaucoup, Gamal Augustin, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Non, nous finis. Oui, merci, Empile. Merci, Gamal Augustin. Corruption. Pas de problème, non? Politicien. C'est le la corruption en temps même, oui. Corruption n'a pas dénoncé assez là, le commencé, oui. Qu'on y a qualité l'école qui a formé jeunes journalistes dans le pays, ça. Pour l'attendre une catastrophe comme ça qu'a parlé comme directeur général télévision nationale d'Haïti. Monsieur, son catastrophe, les gars. Gamayel est un cas. Autant de ça pour. Apôtre Amélito, autant de ça. Gamayel est un cas. Et quand le cas est très délicat, c'est un délicat. Caca. Le cas de Gamayela, c'est un délit caca. Mais bien sûr, il est un cas. Et quand le cas est très délicat, c'est un délit caca. Le cas est complexe et compliqué. Faut comprendre ça, nous. En tout cas, on quitte ça, on fait un coup de tête dans Saint-Louis du Sud, je ne dis à Roncel, on a le fonti parler à Maître Gardi Léger depuis Saint-Louis du Sud, qui lui-même toujours prend responsabilité comme citoyen avisé, comme citoyen engagé, pour dénoncer ce qui a passé là, et nous songer bataille que nous te menais pour te faciliter un gros bateau, te, justement, eh bien, accosté dans le poids et puis déchargé. On a regardé ça avec Maître Gardi Léger. Confrère, comment vous êtes? Bonsoir et bienvenue. Comment vous êtes depuis Saint-Louis du Sud? Bonsoir, Tété. Salut tous les auditeurs du Causeo. Salut le monde entier. Nous avons une émission, ça pas seulement pour nous-mêmes les Haïtiens, mais c'est une émission mondiale. Oui. Donc, c'est un plaisir. Nous, là, après-midi, pour nous faire parler du port international du Sud. Encore après 26 ans, encore en attente. Donc, c'est un plaisir pour nous intervenir sur l'émission ça. Donc, nous espérons que là-bas, dit qu'il choisit pour la République. Correct. On a regardé ça, et bien que nous souhaitons que la communication passe correct, mais s'il va passer, nous essayons de faire l'autre contact. Mais entre-temps, oui, vous entendez? Oui, m'attendez, 7 sur 7. Yes.
Entre-temps, dis-nous non, ça qui a passé parce que l'image m'a regardé là, moi que c'est un port qui, pour moi-même, qui tout bagaille correct là-dedans, qui ça qui passait exactement dans port Saint-Louis du Sud là, par la pays, dis-nous qui ça va aller. En essayant là. Gardez, si vous remarquez, téléphone, essayez de sonner, prendre parce que son n'est pas bon, on a essayé de faire l'autre contact. Parce que, faut nous passer clair, ça, monsieur Abdi, est extrêmement important pour le pays. Attendez, faut nous regarder justement qui ça, bagaille, en essayant, ouais, si nous rejoignons monsieur direct sous téléphone, non, sous l'autre numéro, non, pour nous garder qui ça, bagaille, directement avec Maître Gardi Léger depuis Saint-Louis du Sud. On a regardé, l'idée souligné, on a essayé de faire contact là rapidement parce que ça, est extrêmement important. Pour pays yagon idée sous port ça port international du sud pour moi-même c'est un port qui déjà disponible pour ta recevoir en série de bagages sans problème mais pour pas fonctionner. Allô? Oui voilà. Yes, voilà, là qu'on y a passé correct mon cher. Pas là avec nous non, ça qui passé, qui ça qui empêchait fonctionnement port Saint-Louis du Sud là. Merci, c'était même Jean Abdelan donc nous excusez population tout. Donc ce que ça veut dire, c'est question de la confédération ou encore l'oligarchie de Port-au-Prince et le petit groupe qui monopolise l'économie du pays. Donc, il n'est pas vrai que les ressources pays sont partagées avec les sections communales, avec les différentes communes, qui empêchent Port du Sud opérationnel et fonctionnel. Donc, je suis capable de dire pour le monde qui n'est pas un port, donc, c'est un port qui est à 99.99.9% fini. Ça ne peut pas dire à 100% fini parce qu'il ne reste que les 9 km de route. Oui, il y a le port du Sud et la route nationale numéro 2 qui nous sommes basé à 100%. Toutes les voies, toutes les infrastructures de base, il y a un bureau pour Semana, il y a un bureau pour Cadcode, il y a un bureau pour BLTS, il y a un bureau pour APN, mais le petit groupe de Port-au-Prince qui est senti qu'il est à l'aise dans la confédération qui empêchait que le pays en lui-même il fonctionne. Je dis, nous n'avons qu'à foutre côté que l'a dit le premier ministre, le nouveau premier ministre, Gary Conin, qui n'a pas mis moule. Dans sa première intervention, il dit que les communes sont posées en mesure de gérer des taux avec sa gouvernance. Donc, nous pensons que aujourd'hui, nous avons demandé pour une fin de passer la parole aux actes. Donc, pour que le port du Sud soit même opérationnel, parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si on a besoin d'un crayon à Saint-Louis du Sud, c'est pas trop près pour la laisser. Si on a besoin d'un crayon ou bien un rayon bicyclette, c'est à Saint-Louis du Sud. À nous garder pendant le brigandage, ce qui est gagné. Et président Ariel et le Ariel Henry, côté que pays de cadre dans son entier était bloqué. OK? Mais avec le port du Sud, le qui est capable de faire, il y a une certaine amélioration qui est capable de bien, il y a une série de conséquences, nous-mêmes au niveau du Grand Sud, qui nous pas payer. C'est ça que je dis, avec l'arrivée de Dr. Gary Conin, nous-mêmes, nous continuons de bataille pour que le port du Sud nous-mêmes est capable opérationnel. Parce que ce n'est pas possible pour que yon sac ciment au CAI. Yon sac ciment, Port-au-Prince, acheté 3 sacs ciment au CAI. C'est pas possible. Ok. Yon crayon, Port-au-Prince, acheté un boîte crayon au CAI. C'est pas possible. Je veux dire, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous lançons dans la bataille là. La bataille pour que rendre Port du Sud gagne opérationnel, pour rendre Port du Sud gagne fonctionnel, et nous croyons que c'est une bataille qui a pour profit du département du Sud ou bien encore de la région du Grand Sud. Donc, c'est ça, c'est ça, nous-mêmes. Nous lançons dans la bataille là pour que nous rendre Port du Sud gagne opérationnel. Donc là, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est Gardi Léger qui est sur l'écran qui a parlé là avec plusieurs monde qui fait partie de l'organisation ça, groupe haïtien ça, qui décidé pour plaider cause Port Saint-Louis du Sud là, ils ont estimé et j'en ai regardé là sur l'écran, image ça, vous voulez dire que toutes conditions censées réunies pour Port là ta fonctionnel, mais malheureusement, blocage là, c'est que il y a un petit groupe, oui. C'est groupe ça au n'importe Port-au-Prince qui toujours pensait que tout bien pays a c'est pour yo. Donc si pour ouvrir dans le sud, ça va empêcher ou continuer brasser millions sous dos peuple là, ça vient faire que yo même yo mettez yo campent quoi pour pouvoir aller pas relouvrir. Donc message là me pense que li clair, si gagne un mot ou t'a vle justement rappeler société a et les autorités qui là, c'est qui ça le tapier Gardi Léger. Bon, ça va rappeler pour le ministre là, ainsi que le ministre finance et pour nous dire que je dis à au face au tribunal de l'histoire. Même Jean Premier ministre à l'intervention dit que l'elle qui fait noir, c'est les salbras jouent, c'est les salbras gagnent clarté au niveau du pays. Mais nous-mêmes, au niveau du Grand Sud, en tant que jeunes, et malgré que les conditions ont été difficiles, là, dit mon Sud, mon nom du Sud, même si nous, elle fait noir, même si nous, elle fait noir, c'est jour le bras qui joue. Pour du Sud, là, après 26 ans, après 27 ans, nous croyons que le moment, l'unité qui est pour l'opérationnel, pour que les jeunes, nous, ne pas prendre un revolver, puis on pas gagner des territoires perdus, pour qu'il y ait des jeunes qui livrent nous aux affaires, pour qu'il y ait des jeunes qui livrent à l'entrepreneuriat, pour qu'ils avancent, pour qu'on soit capable de venir dans le sud sans aucun problème.
Il a dit pour le ministre, il fasse au tribunal d'histoire. Je dis, il est capable de garder après malaise de gagner comme la République qui est capable avec elle. Mais je dis, même j'en dis, c'est commun, supposé capable en mesure de gérer cette chose, et même j'en ai demandé pour le ministre Gary Koni, pour lui faire tout ce qui est possible de lui-même pour qu'il rende port du sud opérationnel. Ministre Finance, Madame Kitler, ministre Commerce. Donc, pour lui faire tout ce qui est possible lui-même pour que le port du sud d'Ali même opérationnel. Je demande que les bras forts du sud, les gens qui sont en politique dans le sud, nous allons soutenir. Nous allons nous bourrer, nous allons faire du travail, nous allons nous soutenir. Nous pour nous éviter, c'est capable de politiser la bataille qu'il a fait, mais tout le monde connaît donc qu'il a fait. La demande pour intervenir, pour aider nous avec le port du sud, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le moment ça, pour que nous gagnions un port, après 26 ans, paysans ou bâtiments, tout ça possible pour que nous rendions port là, c'est opérationnel. Nous avons un port qui est en sécurité, un port qui est capable de servir tout, c'est capable de le grand sud, parce qu'il capable de sortir un peu partout. Nous sommes capables de dire même le pays, parce que nous sommes à quelque part, nous sommes situés à la mer, la plus profonde de la Caraïbe, la mer du Sud, la mer du Bédinel. C'est ça que nous demandé au Premier ministre, Gary Koni. Donc, en tant que patriote, vous faites tout ça possible pour que nous rendions port du Sud opérationnel, parce que ce n'est pas possible, après 26 ans, un projet comme ça, il va réaliser. Nouveau ministre de PTC, nous demandons de prendre les dispositions et les mesures qui se posent pour que les 9 km de route qui relient pour Abrio, permettre pour aller même l'opération. Le ministre a demandé pour l'accorder nous une année ou bien deux années moratoire, c'est-à-dire pour permettre à ce que nous baissions les tarifs douaniers pour que des bateaux capables d'accoster pour le Saint-Louis du Sud, pour du Sud, pour capables bien faire échange avec les communautés internationales. Mais la communauté haïtienne, quand nous regardons pour acquérir les affaires, nous demandons pour que regrouper ainsi que les commerçants du Sud, les commerçants du Sud, pour regrouper pour être capable de faire bateau à côté au port international du Sud et population nous là. N'a pas de bateau, quel que soit bateau qui vient là, débarquer normalement sur le port international du Sud. Merci, Pénal, pour passer autour de vous-même, des défenseurs de la population haïtienne, des défenseurs du peuple. Et Kébela, nous connaîtrons là, pas facile, mais récompense, c'est pas souhaité à lui. Merci, Frem. Kébela, merci infiniment. Kébela, eh bien, nous tenons Saint-Louis du Sud rapidement. On va aller, j'en ai annoncé, dans le pays d'Haïti, à Port-au-Prince, avec nouveau mini-justice là, qui c'est Carlos Hercule. Normalement, qui ça t'était qu'à reprocher Carlos Hercule? M'a pas gagné trop de bagaille sur ça. Jusqu'à présent, puis le monde connaît Carlos, son belle tête. Mais c'est pas toujours belle tête là, qui bail résultat, malheureusement. Mais t'as souhaité ça, parce que m'a attendu, il t'a installé quelques ministres. Moi, il mettait accent justement sur collaboration entre employés et résultat société a et ben compter sur eux attendre. Maintenant, mais Carlos Hercule sous pas connait monsieur, voilà monsieur acteur je l'ai sous lui. On prend loin dans image ça et merci à toute l'équipe de Kiskeya qui t'ai fait ce reportage ça parce que on va le faire nous comprendre en réalité. Réalité en c'est que Carlos Hercule dans période ça, l'étape dénoncer justement politique qu'a fait là, équipe tête calée, gago, tête brassé, qui a fait là, des chefs hier, monsieur t'a dénoncé à l'époque. Et non seulement monsieur t'a dénoncé dérive sa yo, et monsieur t'a justement dit, faut qu'il y ait action qui posait contre yo. C'est de la société. Et c'est ça qui fait me penser que nous supposons, nous-mêmes, comme citoyens avisés, rappeler nèg yo sa yo te dit, et comme je dis, on a un poste de responsabilité. Parce que Carlos Hercule qui t'a plaint, qui t'a dit que li préoccupé par situation détérioration politique dans le pays d'Haïti, jodi a li nan poste pour prendre des décisions au niveau de la justice. Nous pral tan Carlos Hercule. Peut-être monsieur pas compte si ti archive ça t'es là. Il oublie ça. Bon connait nous tu as checké. Et ben bon moi non là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi qui peut être chargé devant détérioration climat politique là. Il croit pays a pas loin une catastrophe politique, surtout avec dossier mise en accusation chef l'État, premier ministre là, ministre justice là pour responsabilité ou ta gagné dans la mort juge Jean-Serge Joseph là. Batonier a encouragé tout secteur mettre tête yo ensemble, même Jean Axan cet yo pour pays a ta bien célébrer 210e anniversaire indépendance pays a 1er janvier 2014. Maître Carlos Hercule. Mesdames, messieurs, le barreau de Port-au-Prince est profondément préoccupé par le climat politique. Vous admettez avec moi que l'instabilité est le dernier choix d'un avocat, à moins de choisir la retraite anticipée ou le chômage. Bâtonnier ou avocat ou citoyen, on m'entendra toujours à chaque dérive, à chaque violation de la loi, à chaque velléité de remettre en cause les fondements de la nation. Je présente mes sympathies au substitut commissaire du gouvernement, maître Gérard Pierre, du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, et au journaliste de Radio Kiskeya, Rodrigue Lalanne,
victimes de brutalité policière et demande à la justice de faire son travail dans le respect des droits des agresseurs à un procès équitable. Haïti vit depuis quelque temps le spectre du renvoi du Parlement au deuxième lundi de janvier 2014. Et en réponse, deux rapports recommandent dans les enquêtes parlementaires ouvertes sur la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph la mise en accusation du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Justice. Nous sommes donc à la veille d'une catastrophe, d'un séisme politique. Mais que nous pouvons éviter, que nous devons éviter. Clair. Je refuse de croire que la position extrémiste soit ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Je suis convaincu, monsieur le président de la République, il y a moins de mal à prolonger un mandat parlementaire de quelques mois que de diriger en absence du pouvoir législatif, organe de contrôle des actes de l'exécutif, dont la seule présence est un gage de stabilité et un équilibre des trois pouvoirs de l'État. À moins d'être le pharisien qui clame, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces hommes qui sont rapaces, injustes, corrompus, adultères ou comme ces publicains. Je jeûne deux fois par semaine et je paie régulièrement la dîme. Nous devons, à l'instar du publicain, ne pas lever les yeux vers le ciel, mais de dire au Seigneur, aie pitié de nous qui sommes pécheurs. Aujourd'hui, personne ne peut lancer la première pierre. Mesdames, Messieurs, les autorités législatives et gouvernementales, l'arrêt de la Cour suprême de la République dominicaine nous montre une fois de plus l'urgente nécessité d'unir nos voix, de mettre ensemble toutes nos énergies afin de dire non à l'inacceptable. Claire. Je vous convie donc au dépassement de soi. Je vous invite à réitérer le geste salvateur de l'union des anciens et des nouveaux libres pour célébrer de la Concorde le 1er janvier 2014, première décennie de notre bicentenaire de l'indépendance. J'ai noté souligné avant, président de branche parlement, pas de présent à l'occasion de l'ouverture tribunal. Simon de Soldera pour Sénat, avec Jean-Tolbert Alexis pour Chambre députée. Ça qui montrait, Jean Division yo grave, jeudi à en trois pouvoirs l'État. Pour une autre raison, doyen tribunal civil capital la, maître mon Jean-Michel te absento. Magistrat qui gagne une accusation grave sous dol pour disparition suspecte Jean-Serge Joseph là, t'as gagné difficulté face à collègue Lio qui t'a contesté en bas d'après nouvelle nous apprenne. Merci. Il y a l'autre pas, mais t'es encore le fait qu'on est, bah, ouais, gros tête chargée devant détérioration climat politique. Non, merci, merci infiniment. Merci à toute l'équipe. OK. Mettre Carlos avec le monsieur qui a oublié de t'y ça. Mais nous retournons avec le bout, pour qu'à songer. Parce que généralement, lors de au terrain, où est toute fly, mais s'y fait. On dit, oui, d'accord, t'es Cristiano, pas football, n'est que ça, pas contre jouer boule. Parce qu'on passe sous terrain. Mais là, on met tout sous terrain, et pour rendre compte, mais mon ballon, pas qu'à bloquer. Ça dit bien, ça dit, l'on passe sous terrain, aux haïtiens surtout. Ils ont toutes ces expériences en football. Oh, n'est-ce pas crétin, t'as les côtés de la ton goal, t'as les côtés de la fait goal, oh ceci, son faux neuf, son faux dix, gros débat. Prends n'est-ce pas, mettez le sous terrain, mais gros, c'est ventre-li. Mais mon petit courrier, le bac à fait. Eh bien, réalité, c'est ça. Le ça, bien sûr, c'est avocat qui a parlé, c'est bâtonnier qui a parlé, ou t'es ouais, tout manquement, yo. Au niveau de la justice, je dis à ou une possibilité 10 l'année plus tard pour venir, pour occuper justement un gros poste de responsabilité qui c'est le ministère de la justice et de la sécurité publique. Attention, et ça fait me dit à l'heure, quel que soit directeur général qui vient là, attendez, quel que soit directeur général qui vient remplacer France LB là, bon, même s'il était France LB, mais vous pas qu'à monsieur là. Monsieur décrié trop, monsieur Doubidou en blasé. Bon, même s'il était France LB, quel que soit ça pour fête là, faut que chef CSPN qui sous écran Gary Conille, faut que Carlos Hercule qui soit parlé là, comme ministre justice, yo d'accord collaborer. Parce que Ariel Henry soit passé trois années là, pas jamais même gagné une tentative d'opération qui menait côté gang yo a piafé dans le pays. Le puissant chef de gang, Poul Boukanen, Jimmy Cherizier, alias Poul Boukanen, barbecue. Monsieur a humilié encore une fois les policiers. Monsieur a passé la police dans bêtise. Cependant, monsieur font sortir, lui montrer que lui paniquait. S'il paniquait, et une intervention monsieur fait, que peut-être en pile nous attendait, ou bien ouais. Monsieur dit Gary Conille, ou pas dans les gonbanous, dans les ghettos, pour y faire des politiques, qu'a vint nous faire ci, faire ça. Je suis bien content de dire ça.
Donc si Gary Koni pas qu'on il pas marchand d'alia on by exam que l'assumer responsabilité. Parce que plus gros défi bien là, c'est rétablir la paix dans le pays d'Haïti. Plus gros défi qui devant nous là, justement, c'est rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti. C'est ça là, non? Ça qui a passé Solino là, Delma 24, c'est inacceptable. Eh bien, ou une responsabilité comme chef CSPN, ou non, pas là, comme tu expliques tout le bagage, c'est SPN, vous l'avez dit, Conseil supérieur police nationale. C'est-à-dire, quelle que soit réunion, chita parler, etc., ou ap la ou ap présent. Donc, si ou ap la ou ap présent, que ou assumez responsabilité. Vous clair sous ça. Ça veut dire, quelle que soit décision qu'a prend, ou supposé au courant. Parce que yon nan bagay ou besoin qu'on est. Yon nan première raison de faire pas jamais une opération en Haïti qui mène nan fief bandio. C'est décision politique. C'est volonté politique qui pas jamais gagné. Megamal Augustin, oui, là. Il est arrangé quand là, il pense qu'il a conduit comme DG. Mais Michel a collé là, mais là, Megamal, il a campé là, oui. Il pense qu'il a pris le meilleur quitté là. Attendez, oui. C'est-à-dire, yon nan bagay qu'on besoin qu'on est, quel que soit directeur général qui vient là, si premier ministre là, pas accompagné, si le ministre de la justice pas accompagné,